Oh, oh, c'est lourd. Tu crois qu'il y en a assez, Pico? Oui, c'est beau. Ah, Rosie va être contente. Mais qu'est-ce que Rosie veut faire avec tous ces pots vides? Ah, elle ne me l'a pas dit. C'est une surprise. Oh, Rosie va mettre une surprise dans les pots. Oui. Oh, j'ai hâte de voir ce que c'est. Oh, César, César, je ne trouve pas le chocolat en poudre. Oh, j'arrive, Kelly. Mm. Oh, du chocolat en poudre? Vous allez faire un gâteau! Mmh. Non! Les galettes préférées de Pacha! Mmh. C'est une surprise! Eh bien, il en a de la chance, Pacha! J'espère que je pourrai goûter aux galettes avant qu'il les mange toutes! Ah, c'est bon. Amusant! Tout le monde prépare des surprises aujourd'hui! Arrête de me suivre. Isabelle, arrête de me suivre. Tu n'auras pas mon pot de miel. Isabelle. Bon, quand Rosie me l'a donné, elle m'a dit, Pacha, c'est pour toi, César et Kali. Si tu veux du miel, va en demander à Rosie. Bon. Mmh. Oh, c'est vrai que... Mmh. Il a l'air bon, le miel de Rosie. Et même... Délicieux. C'est un gros pot. Et si je prends une toute petite cuillerée, personne ne va s'en apercevoir. Oh, non, Isabelle, laisse-moi. Laisse-moi. Mais laisse-moi. Bon. César, laisse-moi goûter. Elles ont l'air tellement bonnes, nos galettes. Vaut mieux attendre Pacha. Après tout, c'est pour lui qu'on les a faites. Oh, c'est vrai, c'est sa surprise. Et je suis certaine qu'il va n'en faire qu'une bouchée. Hé, César, viens m'aider. Rosie veut d'autres pots. Oh. Oh, les galettes au chocolat sont prêtes. Oh, n'y touche pas. On attend Pacha. Pico. Mmh. Pico. Mmh. Je suis pressé, moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Oh, César, dis-lui que... Pico, il ne faut pas... Pico! Achou! Ils ne sont pas mangeables, vos galettes. Mais... Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Mon ami, du bon chocolat! Achou! Chocolat qui fait éternuer? Mais... Achou! Mais c'est... c'est du poivre. Vous avez mis du poivre dans les galettes de Pacha. Oups. Je me suis trompée. Oh là 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 là. Heureusement qu'on s'en est aperçu avant que Pacha y goûte. Bon. Eh bien, César, tu viens m'aider à mettre d'autres pots vides dans la brouette. Oh oui. Tu vas recommencer la recette, Kelly? Mais... Avec du vrai chocolat. Mais oui, je vais recommencer. Ah! Bon. Miam, 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 miam. Oh non! Oh non, non, non! Pas encore toi! Isabelle, je te l'ai dit, si tu veux du miel, va chez Rosie! Bon. Bon, elle est partie. À moi, le bon miel! Il prend à mon réveil de sonner comme ça. Mais je t'en prie, réveille. Tais-toi. Tais-toi. Tout le monde va t'entendre. Chut. C'est dommage, mais il faut jeter les galettes. Mais avec du poivre dedans, ce n'est pas bon du tout. Mais qu'est-ce que j'entends? Voyons. Oh, tais-toi. Tais-toi de nous. Oh, ça chatouille! Oh, ça chatouille! Oh, Pacha! Mais c'est toi qui sonnes comme ça! C'est mon réveil! Oh, Pacha! Il a attrapé la chatouille! Oh, ne t'inquiète pas, Pacha, on va faire quelque chose! Mais qu'est-ce qu'il a sur le bras? C'est son réveil! Ça chatouille! Le réveil est devenu fou. Il n'arrête pas de sonner. C'est pas normal. Il est sûrement détraqué, ton réveil.
brisé. Patraque. Patraque. Oh, mais j'en ai besoin, moi, pour me réveiller le matin. Ah, tiens, il ne sonne plus. Ça ne devait pas être bien grave. Oh, phew. Et il sonne encore, mais on a mis un coussin par-dessus pour ne plus l'entendre. Oh, mais c'est épouvantable. Je ne pourrai plus me réveiller pour aller à l'école. Oh, pas de problème, Pacha. Je vais le réparer en un rien de temps, ton réveil. Ils sont tous très gentils, mes amis. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider. Bon, où est-ce qu'il est, ce réveil fou que je le répare? Il est là. Qu'est-ce que tu vas faire, Pico? Chut. Ouais. Serviette. Une serviette, tout de suite. Mais voyons, Pico. Tu vas réparer le réveil avec une serviette. Mais non, c'est pour m'essuyer les doigts. Ils sont pleins de miel. Du miel? Tu vas manger du miel? Mais oui, chez Rosie. Les pots vides, c'était pour y mettre du miel. Oh, sa surprise, c'était du miel. Mais elle ne nous en a même pas donné. Voyons, César. J'ai vu Rosie en donner un gros pot à Pacha dans un panier. Oh, et c'est drôle. Elle a même mis un petit pot pour Isabelle dans le fond du panier. Eh bien, il ne sonne plus. Non, mais c'est bizarre, il bourdonne. Isabelle! Oh, ma petite coquine, c'est toi qui avais détraqué le réveil en te cachant dedans. Elle sent le miel sur mes doigts. Les abeilles adorent le miel. Oh, maintenant elle s'en va tout droit chez Pacha. Elle sait où est le pot de miel. Pacha est sûrement en train de le manger tout seul. Oh, le gourmand! Ça ne se passera pas comme ça. Écoutez bien ce qu'on va faire. Oui. Bon, allez, du miel doré, comme le soleil, fait par des centaines d'abeilles. C'est tellement bon, tellement sucré. J'ai une folle envie d'y goûter. Une cuillère, ce n'est rien du tout. Il y en aura encore beaucoup. Mais si j'aime ça, les autres aussi, il faut que j'en laisse à mes amis. Du miel si clair, si transparent, c'est alléchant, c'est invitant. Oh, je ne peux pas y résister. La tête me tourne, je suis affamé. Mais je connais ma gourmandise. Quand il s'agit de friandises, si j'en mangeais un petit peu trop, j'arriverais vite au fond du pot. Oh là 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 là, ce n'est pas facile. Mais oh, Isabelle, laisse-moi, il faut que je réfléchisse. Je l'ai. Oh, Pacha ne t'a pas vu? Non, il ne s'est aperçu de rien. Même si j'en ai très envie, je ne mangerai pas de miel sans mes amis. Voilà, c'est décidé. Mais mon pot de miel, où est-il? Mon pot de miel, mais voyons, il est là. Tiens, il est devenu tout petit. Mais qu'est-ce que j'ai là, moi? Un pot de miel, ça ne rapetisse pas comme ça. Pacha! Ok, qu'est-ce que je vais faire? Pacha, ton réveil est réparé. Ah, merci beaucoup, Kali, merci.
Il n'était pas vraiment brisé, tu sais. C'est Isabelle qui s'était cachée dedans. Isabelle? Dans mon réveil? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Oh, elle est vraiment bizarre aujourd'hui. J'ai quelque chose à vous dire. Ah? Rosie m'a donné un gros, gros pot de miel pour tout le monde et... Mais je ne comprends pas. Il a rapetissé. Surprise! Hein? C'est le pot d'Isabelle! Oh, c'est pour avoir son pot qu'elle me suivait! Excuse-moi, Isabelle! Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon gros pot? C'est celui-là! Ah, c'est celui-là! Je l'avais apporté dans ma niche et... Et tu ne voulais pas partager le miel avec nous? Je voulais seulement y goûter. Et j'ai décidé d'attendre pour le manger avec vous. On peut y goûter maintenant? Oh oui! Oh oui! Oh, j'ai hâte! Il a l'air tellement bon! Mais... Oh, le bel galette! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne voudrais pas que de vraies galettes au chocolat? On les a faites exprès pour toi. Mes galettes préférées. Oh, la belle surprise. Oh, j'ai bien fait d'attendre pour le miel. Avec des galettes au chocolat, ce sera encore plus délicieux.